Alors, Franz Reichler, normalement chanteur des Young Gods et donc musicien avec les Young Gods depuis 26 ans. Et occasionnellement, je fais des projets justement différents quand l'occasion se donne, quand le temps se donne, quand on n'est pas trop actif avec le groupe. Deux projets. Moi, j'ai fait une sélection de films Dada et inspirés du Dada, c'est-à-dire pas seulement des films des années 20-30, mais aussi des choses plus contemporaines, de gens qui se revendiquent du Dada. Et puis, il y avait Zone Libre qui faisait Nosferatu. Ça, c'est la première fois que je fais ciné-concert. J'ai pas mal de projets avec des compagnies de danse. J'ai plus de facilité avec les compagnies de danse qu'avec le cinéma. Toi, par exemple, ce qu'on fait Zone Libre, avec une dramaturgie et de suivre une histoire, je trouve ça balèze. C'est pour ça que moi, mon concept du ciné-concert, c'est plutôt une compilation de films. J'aime mieux créer un univers de 8 à 10 minutes et de passer à un autre. Et puis, essayer de j'ai plus de facilité avec le cinéma expérimental, disons, qu'avec une histoire. Le Dada, c'est un mouvement des années 17-20, comme ça. Il est né d'une volonté de trancher avec l'art académique, si tu veux. Alors bon, chaque film a un peu son univers. C'est sûr que tu amènes le tien en tant que musicien, mais c'est des matières sonores, des textures, des fois des rythmes que je mélange. J'ai un processus assez simple en fait. Moi, j'aime beaucoup bosser avec les platines CD sur lesquelles tu peux dégénérer justement comme à l'image le temps. Tu peux stretcher de long en large, tu peux faire des petites boucles. Donc j'aime beaucoup mixer différentes sources, ça fait des déphasages aussi au niveau des sons. À ça, j'ai ajouté une touche de guitare acoustique parce que j'aime bien mélanger l'acoustique et le digital, suivant les films, suivant ce que l'image déclenchait chez moi par rapport à ce que j'aurais cherché à dire en son, quoi. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, par exemple, les deux films couleurs très psyché de Stan Brakhage, c'est des petites découpes de pellicules qui brûlent, qui collent, c'est très granulaire comme ça. Lui, de son vivant, il voulait absolument pas qu'il y ait de la musique sur ses films. Rien à faire. Et sa veuve, par contre, elle s'est dit, c'est dommage parce que toute cette œuvre, il faut qu'elle soit diffusée. Et puis, c'est elle qui m'a donné l'autorisation. Arnold m'a aussi donné l'autorisation. Mais comme elle, et idem avec les films Fluxus, il fallait que ce soit la pellicule. Il ne voulait pas que je fasse sur un DVD, parce que bon, c'est des puristes du grain, de l'image, tu vois, c'est compréhensible, c'est comme le MP3 maintenant, tu vois, c'est plus plat, alors que la pellicule, ça a un sacré charme. C'est vrai que moi, je ne voyais pas la différence avant d'avoir fait le projet, si tu veux. J'ai fait tout le boulot sur un DVD pour voir si ça collait. Puis une fois que j'étais content, ben j'ai demandé les autos. Et puis la condition, c'était pas de problème, mais pellicule. Donc c'est intéressant. Zone Libre, c'est un trio, deux guitares, une batterie. Moi, je suis guitariste, musicien. Moi, je suis le batteur, Cyril. Moi, c'est Marc et je suis guitariste. On aurait pu faire tuba, trombone, je sais pas, clarinette ou je ne sais pas quoi. En fait, c'est juste qu'on avait envie de jouer tous les trois. Ça s'est trouvé comme ça. C'est pas un choix de faire tel groupe avec tel instrument. Nosferatu, dans tous les cas, le film sur lequel on va jouer tout à l'heure.
On l'a joué, je sais pas, 3-4 fois, quelque chose comme ça. Après, c'est une façon de faire de la musique en suivant des images, c'est en interaction. Ça, c'est, ça donne une direction dans tous les cas, le fait de jouer forcément sur quelque chose qui est structuré. Là, on se laisse, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on se laisse la fraîcheur d'essayer de retrouver une spontanéité dans notre façon de dialoguer avec nos instruments les uns les autres. Et donc, on prévoit pas trop plus de choses que ça. Et c'est tant mieux, histoire d'être un peu frais sur l'exécution, sur ce que c'est juste. Ce qui est important, c'est de la façon dont qu'on arrive à s'écouter les uns avec les autres, tous les trois, et comment on peut réagir avec l'image qui nous est envoyée. Mais on ne va pas reproduire à chaque fois la même chose, c'est pas ça le but, si tant est qu'il y a un but, mais tu vois. Dans tous les cas, on est en interaction hyper rapide avec ce qui se passe, aussi bien avec le son qu'avec l'image. Donc tu peux te retrouver des fois avec une correspondance vraiment qui marche très bien, où tu te dirais tiens, ça a été fait pour... Oui, de fait, quelque part, oui, tu vas le rechercher, mais c'est aussi par accident que les choses se font. C'est vraiment sur l'écoute, c'est basé sur l'écoute des trois, quoi, et en réaction aux images. Ouais, parce que bon, après, ça reste narratif, quoi, un film, et quelque part, il faut rentrer dans une certaine narration, toi aussi, par le biais de ton instrument, quoi. Donc, du coup... C'est une interaction, quoi. C'est l'interaction de déjà nous trois, ce que les informations qu'on peut s'envoyer en étant minimum en adéquation avec l'image, parce que quand même l'image elle est là, elle est derrière nous, elle nous submerge et puis on la suit, puis le film on le connaît, donc on essaye de naviguer là-dedans, quoi. Je pense qu'on fait comme les gens qui viennent voir le film, en fait, on rentre dans une histoire et puis on voit où ça nous mène. Et suivant les versions du film, elles sont plus ou moins longues. Donc, c'est tout le temps, il faut qu'on s'adapte, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on n'est pas sur des... Il n'y a aucun son préenregistré, préétabli. Donc, c'est vraiment de la matière musicale qu'on utilise comme ça, sur l'instant, en fait, quoi. Thank you.